Alors ce projet, c'est un projet de centrale hydroélectrique qu'on a développé depuis juin 2013. Alors le site a été sélectionné parce que c'est un site qui est très pauvre en matière piscicole et qui a une hydraulicité importante puisque la Romanche est un cours d'eau assez important qui permet des équipements de la sorte. Pendant une année, on a mis au point les détails techniques, les différentes phases du chantier et le chantier a démarré à proprement parler début mai 2017. Il va se poursuivre jusqu'à l'arrivée de l'hiver et reprendra l'année prochaine au printemps pour terminer, nous pensons, aux alentours de septembre-octobre 2018. Et l'objectif est de mettre en route l'installation début 2019. Il y avait des voies d'accès, il y avait une piste qui existait, ça évitait de faire des grosses infrastructures de terrassement. Donc la conjonction d'un intérêt hydraulique majeur, une biodiversité réduite et surtout ces pistes d'accès a fait que le site était intéressant. Et puis surtout aussi, il y avait une volonté politique des élus de recevoir ce type d'installation sur leur commune. Ils sont assez promoteurs de l'énergie verte, en particulier de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité pour nos pays, c'est l'énergie d'avenir. Ceux qui ont du vent mettent des éoliennes, nous on a de l'eau, de la pente. Il est logique que l'hydroélectricité devienne l'énergie renouvelable et propre sur nos pays. Des projets comme cette microcentrale, au niveau de notre budget, c'est quelque chose d'important parce que ça va nous aider grandement à faire un certain nombre d'investissements, d'améliorations. Et vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec Hydrowatt. Les contraintes du développement de ce projet, c'était d'abord des contraintes environnementales, puisqu'on est dans un site qui est assez majestueux et qui est protégé. On est en bordure du parc national des Écrins et ensuite, on a une rivière, donc il faut quand même préserver le milieu. Donc on a choisi d'utiliser une piste et des voies existantes pour faire passer le tuyau, qui sont des tuyaux de très gros diamètre sur une grande longueur. Dans un premier temps, il a fallu convaincre les autorités que les impacts environnementaux étaient réduits et largement compensés. Puis la deuxième phase, ça a été de mettre au point la technique pour la pose de tous ces ouvrages et de tous ces ensembles. La difficulté de ce chantier et avec l'environnement, c'est que nous avons une emprise assez minime. Le matériau employé, c'est-à-dire la fonte ductile, convient parfaitement à cet environnement. Vu que nous n'avons pas besoin de soudure, nous emboîtons tout simplement les tuyaux entre eux, un BU dans un emboîtement avec un joint standard. Et ensuite, nous pouvons obtenir une déviation angulaire, d'accord, donnée, ce qui nous donne un anaconda bien formé. Nous pouvons ensuite avoir des mouvements de sol. La canalisation ne subira aucune conséquence. C'est le point fort de la fonte ductile. Ici, les difficultés étaient essentiellement liées à la taille importante des ouvrages. Il y a 4 200 km de tuyaux à poser avec des diamètres imposants qui sont de 1,60 m pour moitié et ensuite 1,40 m. Donc il fallait quand même qu'on ait des axes de passage ou des voies. Cette conduite forcée est composée de 2 mm de tuyaux en diamètre 1600. Et 2 mm de tuyaux en 1400 tuyaux en fonte ductile, ce qui représente 500 tuyaux. 500 tuyaux qui pourraient faire 500 camions. Et Saint-Gobain PAM a opté pour le télescopage, c'est-à-dire un tuyau 1400 emboîté dans un tuyau 1600, ce qui nous a donné et diminué de 250 camions. Pour l'environnement, c'est un impact assez important. Les tuyaux font 8 mètres, 8 mètres 25 de long. 7 tonnes 75, le 1600. Ici, nous sommes sur la tranche de 1400, se posent 6 à 7 tuyaux jour. Donc ici, nous nous trouvons sur le chantier de la prise d'eau. Comme les ouvrages vont se réaliser sur 2 années, on a préféré cette première année faire tous les terrassements et assurer la dérivation de la rivière, de la Romanche, de façon à ce que l'année prochaine, quand on arrive pour recommencer les travaux de génie civil, on ait eu une longue période d'observation sur la stabilité des sols et surtout la capacité de la dérivation à assumer tous les débits. Les terrassements ont été faits à la côte quasi définitive et puis la rivière a été déviée, ça fait 8 jours.
À l'avancement, on a une pelle de 50 tonnes. La complexité, c'est qu'on ne peut pas se garer. Les camions sont obligés d'attendre. Il y a des longues marches arrière à faire. Il faut jongler entre les arbres et les tuyaux. Tout le gravier est criblé, concassé, c'est des gros cailloux. Et tout ce qu'on crible et qu'on concasse, ça repart à l'arrière pour faire la fermeture du tuyau. Et donc à l'arrière, on dépose un réseau d'eau usée qu'il faut reposer derrière. Là, sur site, on est en train de construire la centrale, donc l'usine de production électrique de tout le projet, quoi. La plus grande spécificité, c'est la hauteur. C'est assez particulier parce qu'on va encore monter une hauteur de banche supplémentaire et demie par rapport à ce qu'on voit là. Donc c'est un bâtiment qui va monter à plus de 10 mètres de haut. La puissance installée électrique, elle est de 3,6 MW. On va produire à peu près 12 millions de kWh. C'est un projet qui amène une technicité très complète et qui fait partie des gros projets que la société a construits et qui amène aussi pas mal de technicité. Et nos équipes sont très heureuses et on fait un travail très valorisant parce qu'il y a une multiplicité de techniques, de compétences. Donc c'est un projet très global qu'on a conçu de A à Z chez HydroWatt. Donc cette centrale est prévue pour fonctionner en autonomie complète. Elle est complètement automatique et elle démarre, s'arrête toute seule en fonction du niveau d'eau disponible à la prise d'eau. En cas de problème, elle s'arrête aussi toute seule et dans ces cas-là, prévient la personne en charge de l'exploitation. L'exploitation va se dérouler avec une équipe basée en Ubaï et un gardien sur site qui lui est là pour répondre aux événements du quotidien. Ensuite, toute la partie maintenance préventive et curative sera réalisée par l'équipe située en Ubaï. En termes d'automatisme, toutes les études sont réalisées en interne et on va dire le cœur du système, le programme automate qui gère tous les démarrages, arrêts de la centrale, la régulation, etc., les mises en protection, ça c'est réalisé chez nous et développé chez nous. C'est une centrale qui est au fil de l'eau, donc elle est là pour fonctionner quel que soit le débit. Il risque d'y avoir des faibles productions sur les mois février-mars et à l'étiage de septembre, mais elle est censée fonctionner toute l'année. C'est une centrale à la pointe de la technologie avec toutes les innovations du moment. Il est clair qu'on ne peut rien construire dans le parc des Écrins et qu'on est obligé de se situer hors cœur de parc. Le suivi du chantier a été quand même très 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 pointu en matière environnementale pour éviter d'avoir des effets par exemple sur la faune, la flore. Donc on avait le parc des Écrins qui venait nous contrôler en permanence. C'est quelque chose qu'il a fallu intégrer dans la conception et dans le déroulé du chantier. Le 6 août vers 17h, on a subi un important sinistre sur le chantier. Il y a un énorme orage qui s'est abattu sur le haut du glacier du Tabuchet et qui a créé ce qu'on appelle une lave torrentielle. Donc c'est un front de matériaux important d'une hauteur d'à peu près 10 mètres qui s'est abattu sur le chantier. On estime à entre 10 et 15 000 mètres cubes de matériaux qui sont descendus et qui ont complètement enseveli le chantier et le terrassement et la rivière a repris ses droits. Il n'y a pas eu de dommages matériels majeurs sur l'ouvrage qui est en cours de construction, mais il a fallu 4 semaines avec des gros moyens de terrassement pour déblayer et puis pour retrouver le terrassement tel qu'il était initialement pour continuer le chantier. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié si l'ouvrage tel qu'il était conçu aurait pu résister à cet impact, c'est le cas. Donc on n'a pas eu à le renforcer. Par contre, on a fait quelques aménagements en matière de suivi d'exploitation et de partie électromécanique et de régulation pour essayer de se prémunir si il y a un nouvel épisode qui arrive pour éviter qu'il y ait trop de dégâts sur les parties mécaniques et les parties mobiles.
Le chantier a duré en cumulé 11 mois. C'est un projet qui a coûté 11 millions d'euros, financé en totalité par notre société, UNIT, et qui va générer à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires de vente d'électricité par an. Du glacier qui fond et des changements climatiques, c'est une vraie préoccupation pour notre métier parce que le glacier a une vertu, c'est qu'il sert un petit peu d'éponge et de stock et ça évite que l'eau qui tombe sur le glacier ne tombe dans les vallées rapidement. Il est maintenant clair qu'il perd à peu près 2 mètres par an, il y a 60 mètres de glace, donc ça veut dire que dans 30-35 ans, les spécialistes s'accordent pour dire qu'il n'y aura plus de glacier et là ça va poser un problème. Si j'avais à résumer ce chantier, je pense que c'est une extraordinaire aventure humaine parce qu'il y a quand même de la technicité, il y avait des gros moyens. Alors c'est vrai que le cadre peut paraître enchanteur, mais il est quand même très très difficile. On a eu à essuyer pas mal de problèmes de chantier, puis des sinistres un peu plus importants. Et chaque fois, toutes les entreprises ont joué le jeu, nous ont aidés. Parce que je crois qu'il s'est créé un climat de confiance et c'est un vrai succès d'équipe. On doit remercier énormément tous les gens qui sont intervenus parce qu'ils ont fait un travail sensationnel.